Bonjour à tous, c'est le testeur de jeu, nous sortons pour une toute nouvelle vidéo, un peu spéciale. Alors, GoPro, alors j'ai commandé une GoPro parce qu'en fait, ma GoPro est tombée dans l'eau. J'avais un peu les boules le jour, du coup j'en ai recommandé une, je l'ai reçue aujourd'hui. Il y a le petit mode d'emploi ici. Alors, cette GoPro, je l'ai achetée sur Wish, le même site que l'autre GoPro. Je vous mettrai le lien dans la description et on se retrouve pour la caméra. Dans la boîte, il y a le mode d'emploi. Je ne comprends pas le chinois parce que c'est écrit en chinois. Alors je comprends pas. Pourquoi il met des chinois? Ouais, c'est chinois, hein, les GoPro, les produits. J'ai acheté pour une valeur de 8 euros. Et j'ai payé, je crois, 2 euros de frais de port, je crois. Alors, le petit fil. Oui, qu'est-ce que c'est ce truc, ce fil? En fait, ce fil, c'est juste pour accrocher à la GoPro et tenir comme ça à la main pour pas qu'on la fasse tomber, la GoPro. Voilà. Alors, on va sortir le chargeur. Il y a un chargeur avec. Attendez. Oh. Allez. Désolé. Parce que je vais pas sortir le... Voilà le chargeur. Voilà, alors ça c'est pour un chargeur universel, ça peut se brancher sur tout. Je crois que les télé ça se branche aussi dessus, je crois qu'aussi ça se branche sur les PC. Alors si vous avez une tablette, vous prenez un adaptateur, voilà l'adaptateur, ça se branche comme ça. Je vais vous montrer. Attendez, je suis pas trop habitué. Ça se branche comme ça, et ça vous le branchez sur votre tablette. Ça se branche sur la caméra. Faut pas se tromper entre ces deux-là. Faut suivre le film. Voilà. Et aussi la petite caméra. La petite bête, comme on dit. Voilà. Une caméra. Comme ça. Il y a le petit appareil. Le petit. Le petit. Voilà. Bon, faut pas mettre ses doigts normalement, mais faut que je le mette pas. Il y a le bouton juste ici. Là, là. On voit pas très bien. Vous voyez pas très bien, je suis désolé. Alors là, il y a le chargement, la carte SD, le chargement. Là, la petite carte SD là. Bon, je suis vraiment désolé, mais c'est pas que j'ai un téléphone tout pourri. Mais... c'est que le focus, ça marche pas très bien avec la lumière. Voilà. Ça, c'est en fait, on peut le mettre en porte-clés. Bon, je vais vous montrer comment on se met la carte SD, parce que j'en ai une sur moi. Carte SD, bon moi c'est une carte SD de, attendez, ah, de Géo, comme ça. Alors en fait, c'est très simple, on la met comme ça, et normalement on entend le petit, voilà, là, je sais pas si vous l'avez entendu, voilà. Et normalement après, bon, je vais pas vous montrer comment elle marche, parce que si je filme, je me filme moi-même, et je filme la vidéo. Bon, en fait, dès qu'on a, on reste appuyé 4 secondes, après, normalement, ça doit clignoter rouge. Ça reste à rouge. Et après, il faut rester appuyé dessus. Et après, ça doit... dès que ça clignote, comme ça, plusieurs fois, bah, ça veut dire qu'on filme. Et aussi, on peut prendre des photos avec. Voilà. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et la caméra, je vous mettrai le lien dans la description, juste en bas. Au revoir.